فقصص القصص لعلهم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، بان فريا اي بان سوا كي بيجيت لايف نو ليسو كونتيني لو ليستوار بان ليسون إيمان بان ليسون إيمان كي نا دون ليستوار دو موسى عليه السلام. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam, nous trouvons l'exemple de Ben Ansar's communauté, Pharaon. Nous trouvons l'exemple de un des rois qui est oppresseur, Pharaon. Nous trouvons Ben Tawarit toujours comme Pharaon, parce qu'il déclare lui-même Rab. Il dit Ana Rabbukum al-A'la, moi mon Rab. Il dit Ben Israël et Ben Égyptien, les Rab. Alors nous trouvons ça dans le Coran. Nous pouvons trouver aussi le mindset de Pharaon. Nous pouvons apprendre dans l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon, avec Banu Israël, comment Pharaon y pensait, comment il y réagir. Alors, pour nous, dans la communauté Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons expliqué la semaine passée, plusieurs fois, nous avons fait un frère rappel qui fait nous choisir cette leçon-là. Nous avons expliqué ça. Alors, aujourd'hui, ce qui nous peut aussi trouver dans l'histoire de Moussa alayhi salam, comment ben chef oppresseur veut réagir, comment ce qu'on appelle trois routes, qui y a une condition dans nos iman pour nous réserver trois routes, une condition dans nos iman pour nous réserver trois routes. Ça veut dire tout musulman obligé à réserver trois routes. Faire comment dire définition trois routes, il y en a cinq, un exemple A, B, C, D, E. Lui obliger le sac musulman entier, le monde, pour le réservoir route. S'il n'est pas réservoir route, sur l'islam, pas compté. À ce stade, dans l'histoire de Moussa alayhi salam et Pharaon, nous trouvons l'exemple d'un trois routes de différentes façons. Trois routes. Trois routes, il peut dire l'imam Allah. Il peut dire un arabe beaucoup moins Allah. Trois routes, il fait en Israël, il fait ibadat pour lui. Il fait oppression, il tue du monde. Tout ça là, c'est dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Alors, un dimanche, tu faisais du moment, mais qui fait nous bizin réser trois routes pour nous iman compter? Tout ça, est-ce qu'il y a là? Fait que moi, j'ai un dimanche, il peut faire son avance, tout, c'est moi, il peut réser trois routes. Problème. Parce que s'il n'est pas réser trois routes, son kalima est incomplet. Mais pour lui réser trois routes, il faut comprendre qui veut dire trois routes. Qui côté de Coran, il dit réser trois routes, fait nous vin musulmane? Dans Surah Baqarah, comment ayat al-Kursi fini? Comment ayat al-Kursi fini? Wa huwa al-Ali al-Azim. Qui ayat fini? La ikraha fi din. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Ensuite, Allah dit: "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa." C'est lui qui résiste au taghut et amène iman à Allah, c'est lui qui trouve al-urwati al-wuthqa. C'est Sirat al-Mustaqim, c'est Coran, c'est l'Islam. C'est la droiture. Ça a un ayat dans Surah Baqarah, verset 256. Dans Surah 16, verset 36, Surah Nahal, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ça c'est un ayat Coran qui, comme on dit, nous, les enfants, quand on dit, allez, dis-moi, ayat Coran concernant trois routes, les enfants là, dit, Surah Baqarah, verset 257, il n'y a pas besoin de prendre l'ayat là entier, Faman yakfur bil ta'ud, ou yumim billah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Les enfants là, ils ont connu ça. Les gens connaissent qui déjà m'a dit Coran pour cause de trois routes importantes pour nous connaître, pas pour cause de Coran entier. Je dis ça plusieurs fois, moi, je vais servir mon exemple personnel. Quand tu commences à prendre 27 ans, 28 ans, 30 ans, et c'est là quand nous commençons à connaître l'importance de connaissance, c'est ma ayat Coran. Je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire,
33, 36, 33, 21, 59, 7, 3, 31, 32. Ça, c'est 4, 59, 4, 60, 4, 65. Ça, c'est ben ayat Coran qui lui forme idéologie en musulmane. Les formes idéologiques musulmanes. Ah, c'est là, pas pour donner, ça les sont là. Ça va être Coran. Ça va être Coran. C'est une fondation 59-7. Qu'est-ce que tu vas être Coran là? Là-dedans, il y a une petite chose principale qui est musulmane, vous avez connu. Un parmi là-dedans, 16-36. Qui Allah peut dire وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Définitivement, nous finissons envoyer vers chaque communauté un rasoul qui peut faire أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, établir pour établir ibadat pour Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, et résider devant الطَّاغُوتَ. De sourate Zumar, وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Boubana est une bonne nouvelle. Ksana, c'est lui qui réside toi route. Ça, c'est un fondamental. Right là. Alors, dans l'histoire de Moussa alayhi salam, avec Pharaon, nous trouvons ça, l'exemple de Pharaon qui lui détaille l'oppression, lui détaille la tyrannie, lui détaille le révolte contre le système Allah dans le Coran. Et pour nous, ça peut servir nous en tant que communauté musulmane. Nous trouvons de l'autre côté la patience de Moussa alayhi salam. Nous trouvons yaqin de Moussa alayhi salam. Nous trouvons ilaqa, connexion Moussa alayhi salam avec Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Dua Moussa alayhi salam, Rabbul Alamin, à chaque fois, problème nous finit trouver dans le passé qui consiste à faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque étape de difficulté. Et il demande ce qu'Ummat aussi pour faire dua. وقال فرعون يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين لنمونتري نو لا توكل كي موسى عليه السلام تينا انسيت الله سبحانه وتعالى لمونتري امه محمد صلى الله عليه وسلم اي بانجمون كي بو في زيفو بو تشيلو صراط المستقيم كانون فيني من ايمان كي زفي والعاقبه للمتقين زامي الله سبحانه وتعالى بابوليس بانجمون كي ايمان بيدا Si jamais, dans l'isier de l'Union, nous pouvons trouver une mose, pas un récit, juillet le victoire, mais dans Darbar, Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu, c'est Shahada, c'est Jannah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, puis nous sommes ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'histoire de Moussa alayhi wa sallam, il est rempli de leçons, et là nous arrivons, quand nous nous trouvons, ça vient de passer, qui, « وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ مِمَّا جَاءَكُمْ bi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand dans parmi ban famille de Pharaon, parmi ban proche de Pharaon, rajulun mu'min, le rajul mu'min, le personne croyant, min ali Pharaon, parmi la famille Pharaon, li pe konti fe da'wa. Subhanallah, et lola ça aussi, moi, je viens d'expliquer semaine avant comment Allah subhanahu wa ta'ala un djimoun qui sorti, l'issoye, yahmilou, hamad da'wa veut dire, l'issoye, ça traka de trouve djimoun dans le pays d'édition et pour donner autre l'éclairage pour l'autre Allah, ça djimoun qui sorti, ça traka là, il n'y a pas d'apprendre l'arabie, il n'y a pas d'apprendre le koweït, il n'y a pas d'apprendre l'en, il n'y a pas qu'en arabe, il n'y a pas qu'en traduction, seulement l'issoye, ça humoum. Humoum veut dire sa responsabilité de message que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quitté pour nous. Il sentit sa responsabilité là. Il n'est pas qu'une cause du tout. Il y a un petit livre de ce loto. Il y a un petit livre de ce sac. Il y a un petit Coran de ce sac. Il y a un petit joli message. Il y a un livre. Il y a un petit livre. Il y a un livre là. Tu as dit quand tu gagnes un compatriote mauricien qui est hindou, tu as donné ce livre là. Ce livre là, tu as donné un compatriote chrétien. Tu as le feeling, tu as fait un petit bonjour, tu as ouvert une relation, tu as ouvert un dialogue qui m'a dit au travail. Garde ce petit livre là où il y a les livres qui gagnent les temps. Ça, ce sentiment de responsabilité. Mon frère, je te connais quel problème là pour venir quand nous, Moussama, nous ne connaissons pas qui fait nous dans la dunia. Là, nous avons un problème. Mais quand tu voulais comprendre qui fait nous dans la dunia et qui responsabilité nous avons devant Allah en tant qu'Iban suivait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça dit qu'il vit avec sa traka, avec sa responsabilité qu'il soit de ses épaules, ses désos, sa responsabilité, sa message qu'Allah a quitté. Au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam en tant que dernier Rasoul. Qui fait dernier Rasoul? Djimoun papa besoin guidance après wafat de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Insaniyat pas besoin guidance ou ça besoin? Besoin pas besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Qu'est-ce qu'on a? Je vais te répondre ça de Coran. Qui est le Coran? 1206.
Il y a un Coran de Surah Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qul, dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vous dit, hadihi sabili, ça c'est mon chemin. Le Coran, Allah peut faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, causer dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, hadihi sabili, ça c'est mon chemin. Et ça c'est mon chemin, là c'est le seul chemin qui amène nous vers Allah. Il y a deux chemins qui amène nous vers Allah. Il est très facile pour la communauté musulmane de le monde, ce qu'on appelle Ummah Muslima, Ummah Islamia, la communauté musulmane dans Maurice, qui n'importe qui professeur des dizaines de fois, mais pas connaître combien de fois, il est arrivé, il prononce sa parole là, l'omimbar, partout où moi aller, qui message, qui n'importe qui professeur qui va apprendre, n'importe qui soufi qui va apprendre, tous les jours, tu as un soufi notes, si tu as envie de trouver Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu as besoin de faire ça. Par exemple, Shaban vini, tu as besoin de faire ça. L'Alin Rajab vini, tu as besoin de faire ça. C'est là qui dit faire ça là. C'est là qui peut dire ça. Ça. Tu as envie de ton âme purifier, tu as besoin de faire ça. Comment c'est là qui a besoin de dire, nous qui a besoin de faire. Écoute sa conception qui dit besoin clair dans la tête tout musulman. N'importe qui jamaat les suivre, n'importe qui alim les suivre, n'importe qui soufi les suivre, n'importe qui l'école de pensée les suivre. Ce professeur a besoin de montrer les tariqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas capable d'enseigner un djimoun, un quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'enseigne. Qui fait? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il met un seul chemin qui amène vers Rabbul Alamin Jalla Jalalu. C'est le chemin de qui ça là? C'est ce chemin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le chemin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Guide-moi entre les autres, même explication du Coran. En là, Allah peut causer, en là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut causer le Coran. Dans Surah An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a trois ayats du Coran, appelé ça Al-Wasaya Al-Ashara. Il y a trois ayats du Coran, quand là-dedans, il y a 10 conseils qui Allah a donné. Right là? Qui n'avait? Trois ayats du Coran, il y a 10 conseils qui Allah a donné là-dedans. Dans Surah An'am, avant dernier page. Ça veut dire que quand on débute dernier page, une page. Surah An'am dépasse de troisième page avant Surah An'am terminée. Il y a trois ayats Coran appelés Wasaya al-Ashara. Dans ces trois ayats Coran, il y a 10 conseils que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne là-dedans. Dernier conseil là-dedans. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ça c'est. Il dit, wa anna hada, ce qu'ils ont fait lire dans sa 9 conseils là, c'est mon chemin, Allah veut dire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prend un bâton, il a dit ça, il a expliqué, il trace une ligne, il dit, ça c'est le chemin Allah. Ensuite, il tire une petite branche dans le chemin principal là, à droite et à gauche, qui sortit depuis dans sa main road là même là. C'est pour ça que Shaitan, quand a cisé, quand Shaitan a cisé, dans si mes mentes, dans si mes faussetés, ou ça Shaitan a cisé dans Surat al-Mustaqim. Quand Shaitan a cisé? Shaitan, quand a cisé? Dans Surat al-Mustaqim. Comment nous connaissons ça? Ça qui m'a une réponse, qui m'a un élève, visant à apprendre quand ce professeur peut causer, ou peut dire des affaires rêves, ou n'est venu, ou n'est venu, n'importe quoi. Je vais vous donner une explication, je vais vous dire, oh, Dhul Qarnayn, quand tu étais. Mais vous savez, Dhul Qarnayn, tout en 2021, je vais vous dire, si écouter, parce qu'il m'a dit, je vais vous dire, ça sens d'écouter avec un esprit critique. Quand je disais à mon professeur, ce qui vous peut dire là, que tu peux dire ça. Nous pas dans Sahaba cause avec Dhul Qarnayn, nous pas dans Rasul cause avec Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, ce n'est pas qu'il est époque. Nous pas dans Tabi'in cause avec Dhul Qarnayn. Nous pas dans 4 madhab cause avec Dhul Qarnayn. Nous pas dans un hadith menti aussi de Dhul Qarnayn pour revenir. Hadith menti aussi, ben. Écoute, ce problème là. Il y a un hadith inventé. Je connais, il invente hadith. Il met ça dans un livre hadith. Dans hadith inventé aussi, ben, qui Dhul Qarnayn pour venir. Laisse ça d'aller chez aussi pendant que tu le connais pour venir. C'est moi du monde là, il a saisi que parce que ça l'esprit critique comme on peut écouter mon professeur besoin montrer moi Coran avec Sunna, c'est tout. Et quand il dit quelque chose qu'il trouve dans l'invisibilité, dans rêve, dans futur ou bien dans le passé, qu'il n'est pas une vive, besoin d'apprendre depuis dans Coran et dans Sunna. Comment nous connaissons que Shaitan a saisi sur la Mustaqim? Des preuves, mon Dieu. Et dans le Coran, et dans le Coran, Shaitan lui-même lui dit dans la Surah Araf, « L'akhoudanna lahum siratak al-mustaqim » Non, dans la Surah Isra, qui m'a poissise pour eux, Shaitan peut dire avec Allah, m'a poissise pour sa main d'enfant Adam là, l'auto-sirat al-mustaqim. Ça aussi, il n'est pas dit « Sirat al-mustaqim »,« Siratak al-mustaqim » Oh Allah, l'auto-chemin droit, m'a poissise l'eau là, pour sa main d'imoun qui t'appelle Banu Adam là.
سامي جهلا شيطان ده قرآن إن ده حديث رسول صلى الله عليه وسلم جيا قال إن فيني بغيس أن نعلن لوجساب لجهذا صراط مستقيما ساشمع الله سبحانه وتعالى ensuite لي تيام عن برانش depuis de sa main road là à droite à gauche il dit هذه السبل ça c'est mon petit chemin qui sorti depuis le main road il pas dire il sorti dans chemin shaitan il sorti depuis dans main road même ça veut dire quand un musulman quand nous peut dire mon frère ou mon soeur le Facebook partout de Jumma qu'il faudrait zot professeur zot pire zot amir zot maulana zot alim zot mufti quand il explique din il besoin dire ce qu'il y a l'ex au rasoul indien il n'y a pas qu'à dire le contraire il n'y a pas qu'à dire vous faites une action l'ex au rasoul pas dire faire et ni quatre le rachidi n'y a faire il n'est pas capable et ni ban sahaba ni tombe d'accord consensus l'eau sa action là si paye dans ça nous pas pouvoir faire sa action clair là rasoul sallallahu alayhi wa sallam et le sac la tête de sa sac la tête de sa entre sa joint qui est là entre sa branch road là et sa main road qui vient dresser l'eau là là l'eau sur la tête et un shaitan qui a saisi quand shaitan l'a été quand il tombe l'eau صراط المستقيم. الو الله سبحانه وتعالى جل جلاله dans l'histoire de Moussa عليه السلام et aussi de Pharaon fin détail ben l'enseignement qui ummat Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم besoin afin qu'il nous vive dans dunya comme un besoin. Alors moi je peux dire que là sa personne qui appelle Rajulun mu'minun, on appelle Rajulun mu'min, min ali Fir'aun. C'est ça, du monde qui n'a même iman parmi la famille de Fir'aun là. Il n'est pas payé pire parce qu'il connaît que c'est un proche de Fir'aun et Fir'aun n'est pas capable. Bonne raison qu'il ne peut pas connaître qui fait, pas de mettre dans le courant, mais Fir'aun pas payé réagir à sa personne qui est sur la famille là, quand il peut faire dawa avec lui. Là, là, moi, tu commences à expliquer ça. Qui ban musulman nous une responsabilité l'osa ayat Coran sura Yusuf quand Allah dit qul hadihi sabili puis dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ça c'est mon chemin ad'u ila Allah moi invite djimoun vers Allah Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas djimoun vers lui non il invite djimoun vers Allah ana wa man ittaba'ani moi et ban qui suivent moi je invite djimoun vers Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ça veut dire ah pas ça ayat Coran là nous tous nous sommes responsables pour sauver le message que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme dernier message vers l'humanité pour tirer l'insanité dans le noir pour amener les autres vers l'éclairage. Clair là? Ça dit que le Rajul Mu'min, lui, il continue à faire ce travail-là, c'est ça que nous pouvons analyser la semaine passée. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut expliquer concernant ça dit que là, il dit que quand Yusuf alayhi sallam il mort, moi j'ai expliqué ça la semaine passée ban Pharaon et ce ban Sef je dis bien Astia ça veut dire pas pour une encore Rasoul qui pour venir qui comment dire pour venir détrôner Pharaon c'est ça traque à la même qui tu fais lui tous les petits enfants avant naissance de salam Moussa alayhi salam alors deux fois Pharaon il donne l'ordre pour tous les enfants ban Israël qui deux fois deux fois. Une fois avant naissance de Moussa alayhi salam, deuxième fois quand Banu Israël il amène iman le Moussa alayhi salam. D'ailleurs, Banu Israël il fait un reproche avec Moussa alayhi salam. Ya Moussa, qad udhina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayandura kayfa ta'malun. Alors, Banu Israël il reproche, je ne reproche Moussa alayhi salam. Mais là, ça, quand tu expliques ça, ça dépend. Moi, tu expliques quand on rentre dans l'île. Si nous disons, comment tu rentres dans l'île, tout le problème pour effacer. Non. C'est ça qu'il dit quand on rentre dans l'île, il trouve la vérité de ce parcours, de ce la vie. Quand il rentre dans l'île, tout ce problème pour résoudre. S'il part dans la case, il bouge dans la case. Mais il y a combien de gens dans l'île, musulmans même, qui peut vivre dans l'obéissance à Allah, il est dans la case, il est dans la dette, il est dans le problème, il y a une maladie, il y a un tas de problèmes de l'île. Mais nous, qui fait, nous pouvons dire ça, des gens qui. Puis accepter pour retourner vers din Allah. Quand il fait tawba, il revient vers l'islam, qui va nous donner sa fausse cause qui pas existé dans le Coran, dans le Sunna, quand tu amènes iman, tout le problème pour résoudre. Non. Quand tu amènes iman, tu peux gagner tranquillité du cœur. Tu peux sentir une inner peace, tu peux sentir une tranquillité interne, tu peux sentir la sérénité, tu peux sentir quand tu adresses avec le Créateur unique, il peut répondre toi. Mais c'est maintenant pour passer dans le test.
pas possible, il pas traverser d'antis. Ça, c'est réalité coranique. Quand il y a un iman, il y a la croyance, il faut être testé sur la croyance. Et c'est ce qu'on appelle dunya, c'est test. Alors, ben Israël, il y a un test. Il y a un test des fois. Beaucoup de tests, gagné. Mais des fois, il y a tous les bons enfants. Et les hommes, madame, une fois avant naissance de Moussa, attention, un petit baba né qui pouvait détrôner Pharaon. C'est pour tout y est, pareil comme dans l'époque. Ban l'État, ban gouvernement, c'est pour tout y est, seulement tout qui chose qui vient en danger, qui local, qui international. Quand une personne, un individuel ou bien une organisation les vient en danger pour ban oppresseur, premier résultat, c'est réaction physique de du monde. Et surtout que vous êtes dans l'appareil justice judiciaire, vous êtes dans l'appareil policier, vous êtes dans l'appareil gouvernemental, vous êtes dans l'appareil des avocats pour supporter sa qualité réaction quand un monde vient en danger pour man la force, pour man qui en autorité. Arrive-lui en tout le monde, il arrive-lui dans la Syrie, Bachar Assad, son papa, il finit tuer 40 000 djimouns, 40 000 musulmans, les tuer dans un seul endroit, de seule époque. Bachar est venu faire pareil. À ce moment-là, je me dis que je peux écouter Imran Hussein, peut expliquer que si pas la Russie, les chrétiens orthodoxes, ils peuvent venir allier avec les musulmans, ça veut dire que là, ben, il y a un support de Bachar. Ça veut dire la Russie a un support de Bachar. Ça veut dire que les frères qui peuvent la guerre dans la Russie, là, dans la Syrie, là, ça, c'est ne pas comprendre rien, ça c'est man vendu, ça, c'est tech fédé. Mais c'est pas ça. Bon, un jour, Inch'Allah, nous avons fait un programme, Zislola, comment la guerre de la Syrie commence, Inch'Allah. Avec preuve tout. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalla, dans l'histoire de Moussa alayhi salam, quand Youssouf alayhi salam, l'inmour, maintenant, il senti à se dire correct, pas pour une personne pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalla, l'infir, ça dit, il sorti dans la case de Pharaon, mais Moussa alayhi salam, il grandit dans la case de Pharaon. Et ça, Rajul al-Mu'minun là, il y a une famille de Pharaon, tous les deux, elle là. Peut donner un message, ça n'a pas confié un message que Moussa alayhi salam peut donner. Ça dit, nous continuons à faire da'wa. Alors nous tous, musulmans, nous responsables. À ce si nous-mêmes, nous ne pouvons pas encore comprendre limite Allah qui était Tawhid, qui était Sunnah, qui était Bid'a, qui était. En même temps, nous pouvons faire da'wa. Mais imaginez qui retourne, nous, non, concernant nos responsabilités devant Allah de sa dernier message qu'Allah a envoyé avec Rasoul Sassam qui est perfectionné sous nubouwat de Rasulullah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Allah subhanahu wa ta'ala dit kadhalika yudhillu Allah man huwa musrifun murtab. Ici Allah dit que sa croyance qui banu Israël il gagne Pharaon qui a pas pour une personne pour venir là. Allah dit كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala lui égare un musrif murtab. L'égarement, Allah peut donner l'égarement. Mais jour qiyama, ça musrif avec murtab là, je veux dire Allah te donne l'égarement. Essayez de réfléchir au renko. Dis pas vrai. Jour jugement, quand on a le darbar, Rabbul Alamin. Nous disons, Allah peut te tuer également, parce que tous les vendredis, mon imam peut dire « Man yudlilillahu fala hadira wa man yahdillahu fala fama lahu min mudril » Mon imam, tous les vendredis, vini au mimbar, peut dire « C'est lui qui Allah égaré, personne n'a pas guidé, c'est lui qui Allah guidé, personne n'a pas égaré. » Mais Allah est égaré, mais comment je peux guider si Allah est égaré? C'est un petit mot imam, tu peux expliquer moi tous les vendredis. C'est pour ça que mon conseil, mon frère qui traduit, quand je suis au mimbar, je traduis à Khutbatul Hajja, je traduis à sa introduction là. Quand je peux lire, je peux traduire toujours. Bizin fait une parenthèse pour sa lamas qui écoute langage créole. Quand nous dit Allah guide, c'est lui qui nous voulait, l'Iega, c'est lui qui nous voulait. Il demande une certaine explication là pour dire ne pas prendre une fausse conception. L'eau a une parole qui est vraie. M'aurait dit. Attention qu'il lamas musulman, il prend une fausse conception dans une phrase qui est vraie quand il a une certaine parenthèse et certaines braquettes qui sont ouvertes dans l'explication quand nous dit Allah le guide, c'est lui qui le voulait et Allah égare, c'est lui qui le voulait. Clair ce que je peux dire là? Il y a un jour, il y a un jour, le premier vendredi, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour, il y a quand il y a un imam, dit Allah guide, c'est lui qui le voulait, Allah égare, c'est lui qui le voulait. Quand il y a un qui lui pense, ben ça, qui vous dit? Qui vous dit? Qui dit Zakaria?
Qui vous dit? Vous venez aujourd'hui, premier jour, il vient du mal, il vient, 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 traduire, il dit, c'est lui qui Allah guidé, personne pas qu'à égarer, c'est lui qui Allah égaré, personne pas qu'à guider. Qui peut arriver? Quand il sortit de Djouma, premier vent, il m'a dit, là. Qui est arrivé? Ouais, Smith, qui est arrivé? Non, qui conclusion vous tirez quand il y a allé? Ah, on connaît qui fait moi avec Allah, parce qu'Allah n'a pas encore guidé, Allah n'est pas moi. Sa phrase n'est pas comme ça du tout. Ici, c'est un parmi man ayat qui met man point sur les i, l'eau sa compréhension. Bon, ben, j'ai des affaires, moi, je peux écouter, parce que mon frère, parfois, je t'avoue, nous, mon causerie, de mon explication qui peut dérouler dans le pays, pour nous comprendre, qui du monde peut expliquer, qui du monde peut causer. Nous pas gagner de temps à l'attendre, nous pas gagner de temps à assiser, à veiller, que ça n'a qui peut causer, mais c'est moi, mon frère, quand je t'en ai une cause, quand je vous dis, écoute, 5 minutes là, moi, tout du monde, l'homme, il peut faire les sons, peut être courant, peut traduire, peut dire, vous savez, si Allah, peut dire, Allah, mais Allah, même fait tout qui est sous contrôle, Allah. Non, il n'est pas sorti sous contrôle. Là, mais c'est moi, un dimoun lit. Ou les guidances. Allah pas ou les guidances pour lui. Ça n'a pas une incohérence. Et dans son nom. N'a pas possible qu'un dimoun ou les guidances, Allah pas les guide lui. Tout le ayat Quran et Hadith dit celui qui ou les guidances, ou man arad al-akhirata, wa sa'alaha sa'yaha, wa huwa mu'min. Hadith, il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin dit de Hadith Qudsi, ya ibadi kullukum dalun illa man hadaytu, fastahdouni, ahdikum. Hadith Qudsi de Sahih Muslim peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala fin dire que yo mo ban servite je tout ban égaré excepté c'est lui qui moi m'a guidé. Fastahdouni, Allah peut dire de Hadith Qudsi, demande moi guidance, ahdikoum mo guide zut. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi man dua qui dit tu peux plus beaucoup, tu peux bouger le sol aller Mubarak, c'était Allahumma ahdini fi man hadei. Ziska qui ban sahaba pose que ya Rasul, toi tu dis ça doua? Oui, moi m'a dit ça doua. Enfin, ça, on les a expliqué en détail. Ici, dans cette Coran, écoute bien qu'Allah dit كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Ça, il vient un dhabt en arabe, c'est un tuning pour sa compréhension qu'Allah guide celui qui lui voulait, et l'égard, c'est lui qui lui voulait. Non, Allah guide celui qui lui voulait quand il trouvait qui dit Mouna ou les guidances. Et Allah égard, c'est lui qui lui voulait quand il trouve du Mouna ou l'égarement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient un petit peu, il commence à venir une compréhension. Clé de Coran et dans Sunna, et ce qui est de beaucoup à être Coran. Mais seulement, quand nous dit Allah guide celui qui nous l'est, qui s'a dit mon nom sous guidance, n'est pas capable de sortir en Dieu au contrôle, Rabbul Alamin. Si moi, mon vie égare où, et Allah subhanahu wa ta'ala protège où, personne n'est pas capable d'égare où. C'est pour ça que nous, insan, or qui s'en a, nous visons à l'autre de sa hidayat là. Avec nos professeurs, avec nos pires, avec nos maulana, avec nos alim, avec nos muftis, non, avec lui, nous prenons connaissance. Hidayat et compréhension dans le rôle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayat, je finis dans l'ayat Qur'an, et compréhension, man yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fi din, c'est lui qui Allah a envie de content du bien pour lui, ou les dit bien pour lui, donne-lui compréhension din. Qui fait un djanou qui c'est lui qui Allah ou les dit bien pour lui, donne-lui compréhension din. Pour toi, quand tu écoutes ça, moi je dis, oh Allah, donne-moi compréhension din. Quand Allah a dit prothèse, et n'a souvent servité qui l'a choisi, et Shaitan pas pour avoir autre. Quand j'ai ça, qui te fait? Je dis, oh Allah, fais-moi venir te serviter pour te protéger contre Shaitan. C'est même ça, ayat Coran, sur interaction qui vise entre nous, avec nos lectures Coran, c'est quand nous trouvons ça, un secret là, pareil, comment gagner une protection avec Shaitan, c'est quand Allah choisit toi. Je dis, oh Allah, choisis moi. Comment tu gagnes une compréhension digne? Quand Allah content dit bien pour toi, il dit, donne-toi compréhension digne. Oh Allah, donne-moi compréhension digne. Guidance, Allah peut dire, demande-moi guidance, me donne-toi. فاستهدوني ولا قدموا أهديكم وقدزت ده حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى هنا يبقى ثلث الأخير من الليل حديث ده صحيح بخاري كي الله سبحانه وتعالى لديسان ده troisième ciel à nuit le premier des ciels c'est les ciels qui plient proche avec nous ensuite il dit من يدعوني فأستجيب له c'est là qui demande mon دعاء m'accepter من يسألني فأعطي من يستغفرني فأغفر له. C'est là qu'il fait استغفار, m'accepter ce استغفار. Allah fait l'appel. Il fait l'appel quand nous nous pouvons dormir. Oui, nous nous pouvons dormir. Nous nous pouvons dormir. L'équerre fait mal, on trouve dans l'Égypte. On va voir si on trouve sa vidéo là. Un mazid azan et chaîne fini donné. Maman dit Alhamdulillah qui dans Maurice,
même qui me connaît, beaucoup musulmans, j'ai achiqué football, on appelle ça achiqué football, j'ai pas qu'à rester sans football, et surtout qu'à cause Liverpool, Manchester, ça, qui m'a dit, qui ou pire cause, là. Si l'on m'imbarou, dit ça, m'a dit, et l'autre coup arrive, il fait du mal ici, hein. Et la place, comme ça, ça a été achiqué, nous achiqué. C'est même pas entendu qui imam Azan Indoni Echa, un football peut dérouler, et Masjid Pena, un Moussalli, zéro Moussalli, dans un pays, l'Égypte, qui est dans 100 millions de musulmans, vous ne connaissez pas dans sa ville à Hazard, combien de musulmans il y a, c'est même dans le pays là, c'est un pays qui est dans 95% de musulmans à peu près, si vous ne faites pas rire, qui Azan Echa finit de donner. Imam est sorti dans Masjid parce qu'il ne paye aucun Moussalli, il a le road band du monde et prend distance depuis là jusqu'à parking. Et il y a des cafés qui met football direct. L'Égypte peut faire corps final contre une équipe. Café rempli. Café rempli. Masjid paye aucun Moussalli. Vous connaissez qui peut payer là? Zéro Moussalli. Il est sorti de lui, il a une boucle passée. Il dit rendez un service, viens normalement nous faire ça là-dedans. Et là-dedans, il a posé une petite phrase dans la vidéo là, il a dit comment se parler de la situation communauté, comment se parler au mat de problème, à la football, pèse. Comment il a dit ça? À la gouvernement, il fait appel lui. Il vient faire appel lui pour faire interrogation avec lui. Par contre, qui bouffe lui là? Qui zouloum lui fait? Qui péché lui fait? Ça, c'est le pays où Moudounia, mais je connais qui appelle l'Égypte. L'Égypte en arabe appelle ça Moudounia, maman de Dounia, l'Égypte. Ça, c'est halat ça. Musulman. Mais alhamdoulillah, nous vous remercions Inch'Allah subhanahu wa ta'ala jala jalaluhu qui s'acquitte basse cela, alhamdoulillah, jamais mon temps, moi je m'en dois qui nous pas, nous pas connaît plus tard, à cela nous peut dire alhamdoulillah, jusqu'à aller, nous pas encore entendu. Nous pas encore entendu alhamdoulillah, mais c'est moi dans un petit pays, je connais football, combien fois en jouer, même quand moi ici dans ma zid imam, mais alhamdoulillah, je m'en dis une vie dans ma zid. Mais ça montre être bon aussi. Alhamdulillah, ben bon qu'il soit nous vient dire dans nos communautés, il y a bon qu'il soit dans nos petits pays Maurice. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Quantité qui nous trouve, ben association musulmane supportée quand il y a un cyclone, quand il y a une calamité, c'est musulmans qui travaillent plus beaucoup. Alhamdulillah, c'est un bon signe. Et quand nous supportons, nous pas de couleur, nous pas de race, nous pas de nationalité, nous pas de non. C'est moi nous-mêmes qui gagnons plus beaucoup. Crasé là, nous-mêmes qui gagnons plus beaucoup ça. D'un côté politique, crasé, nous-mêmes plus beaucoup. D'un côté économique, plus beaucoup. Dans beaucoup qui sont nous-mêmes qui ont écrasé beaucoup, mais c'est moi, alhamdoulilah, nous pouvons dire et nous pouvons continuer à dire. Et la communauté musulmane lui donne l'exemple dans sa support qui lui donne man Mauricien quand il y a une calamité naturelle tombe l'eau nous, quand il y a un événement naturel, alhamdoulilah. Et ça, c'est un bon signe, alhamdoulilah. Ça a montré qu'il nous oumate encore vivant, mais c'est moi, il y a un travail, il y a un fait, continuer à faire, Inch'Allah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il met un dopt dans sa ayat coranique, il dit كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Qui c'est là qui Allah égaré? C'est comme ça qui Allah égare ban qui musrif et murtab. Qui est un musrif? C'est un celui qui est exagéré. Exagéré dans casse limite Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla. C'est pour ça qu'Allah dit dans sourate Zumar, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Oh ban qui exagéré dans votre nafs, ça veut dire qu'ils ont désobéi à Allah pour transgresser ban limite Allah. La taqnatum rahmatillah n'a pas désespéré avec rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah li pardonne tout ban péché. Ici ça dit mon exagéré là de transgresser ban limite Allah pas min iman lo Allah pas min iman lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas casse ban limite Allah halal haram pas prend compte. Alors ça c'est un musrif. Quand il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et il transforme en limite, ça dit mon nom qui Allah égare. C'est lui qui lit les musrif. Ça dit mon qui lit, il fait péché et il regrette. Il pas un musrif. Il y a un ta'ib. Et ta'ib, inna Allah yuhibbu tawabin. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans le Sunna, il n'est pas cause un humain qui pas fait péché. Il cause un humain qui tombe dans le péché. Écoute ça bien. Il tombe dans le péché et au moment où il tombe dans le péché, ça veut dire qu'il n'est pas dans le péché. Et il comprend réalité sur raison l'existence dans dunia. Il connaît qui fait lui dans dunia. Il connaît qui fait Allah met lui dans dunia. Il tombe dans le péché. Ensuite, il fait tawba. Il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu. Et quand il fait tawba, at-ta'ibu kama la dhanba la. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. Et celui qui fait tawba, il paraît que moi je ne peux pas péché du tout.
Et le Coran Allah dit illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Quand il dit fait tawba, il suit sa tawba là, pas bon action, pas bon action, Allah transforme ce mauvais action, fait lui une bonne action. Ça c'est la sourate Al-Furqan. Mais un musrif, quand Allah dit un musrif, pour lui-même qui a l'un des peines de tawba, c'est le contient risque de désobéissant. وليست التوبة de sourate An-Nisa للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. Écoute ça, Al-Qur'an. Par contre, ça dit mon qui transgressé. Jusqu'à qui malakoul mort, il paraît devant lui, à partir de qui malakoul mort parot la peau de tawba fin. Qui commence à sens nous là, même qui commence à banané de désobéissance, de l'infidélité, de kufr, de résider la croyance en créateur unique et en ce dernier message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais une fois qu'il amène iman, avant qu'il malakoul mort vini, nous avons sens tawba accepté. Allah accepté nous repentir. Mais si malakoul mort dit paraît, la peau repentie fermée. Et ça paraît dans surah An-Nisa, Allah dit wa laysatit tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at bayna tawba pour man qui fait mauvaise action commence par mauvaise croyance, l'infidélité, haram, shirk, kufr, bid'a, nifaq, tout man chose qui pas bon, hatta idha hadara ahadahum al-maut, jusqu'à qui un parmi sa mankaïté du monde là, quand la mort il paraît lui, qala inni tubtu al-an astamu fa tawba, rabbul alamin dit sa tawba la pas possible. Par contre, avant qu'il malakoul mort paraît, avant qu'il rentre dans l'agonie de la mort, ce qu'on appelle sakrat, la peau de tawba, il reste ouvert. Ou n'importe qui du monde, même qui conseille une exagérée, et sa ayat Quran qui trouve dans surah Zumar, quand Allah peut dire, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم dia saman di mon kin exagéré dans transgresse man limite Allah pas perdu l'espoir là qui fait attention shaytan embête toi j'étais trop pas bon tu vas pas cause avec Allah al passeport x y z quand di mon de tawba non Allah subhanahu wa ta'ala fait ça la porte là pas dit la clé en la clé shaytan qui désobéit Allah une révolte avec l'autre Allah l'india rabbi anzirni ila yawm yub'athun oh Allah donne-moi un délai jusqu'à le jour de relève qui pour relève en djimoun Allah n'a dit fa innaka min al mundarin Allah n'a accepté ce doigt c'est là ce doigt Allah n'a accepté Iblis alors en djimoun pas vint dire qu'on est tellement nous pas bon alors nous pas pour à cause avec Allah nous visait pareil comme quand on a le code premier ministre nous passe code secrétaire nous peine pour passe code secrétaire Coran il ferme la code secrétaire quand il dit ya ibadi alladhina asrafu ala anfusin bankin exagéré les autres neuf ça veut dire une transgresse ma limite Allah La taqnatu min rahmatillah n'a pas désespéré avec rahmat Allah et sa iblis qui lit il embête toi là lui aussi lit l'indemande avec Allah Rabbi anzirni ila yawm yub'athun oh Allah donne-moi un délai jusqu'à yawm yub'athun Rabbul alamin répond ce doigt fa innaka min al-munzirin tu pas mi ban djoun ki délai in être donné alors ici quand ça dit mon ali musrif il transgresse ban limite Allah Il transgresse limite Allah de sa croyance, il transgresse limite Allah de sa ibadat, il transgresse limite Allah de sa action, de son caractère et dans sa transaction, de ce travail, de man mu'amalat envers son madame, envers son voisin, envers son monsieur, envers ses enfants, envers son maman, envers son papa, envers tout responsabilité qui nous est là, le Coran et Sunna enseigné, quand nous transgressons cette limite là et nous pas faire tawba, nous venons du monde qui musrif, nous venons du monde qui transgresse toute limite. Ça qui a été du monde là, Allah pas égal. Il est égal. Murtab, il y a un doute aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un croyant, il y a un doute aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui s'en a qu'un croyant? Là, il y a un nouveau fitna sorti. Un croyant, parmi Yahoud, parmi Nasara, croyant. Qu'est-ce qu'il appelle croyant? Il n'y a pas qu'il appelle croyant. Un mu'min, alladhina amanu billahi wa rasouli. Quran peut dire, innama al-mu'minun alladhina, surah Hujrat, الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ensuite je peine doute de cet iman je peine qu'ils aient doute de cet iman et celui qui a doute de ce iman c'est un celui que Allah subhanahu wa ta'ala égale c'est des qualités d'imoun qui Allah égare Allah pas égare un d'imoun qui peut redidance n'a pas possible li pas yalik sa parole là sa phrase là li pas approprié quand nous dit subhanaka ya rab Allah peine aucun défaut Allah peine aucun quelque chose pas bon qui est assez avec Rabbul Alamin comment li possible un d'imoun peut redidance Allah pas donné guidance quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah fin dit man atani machien ataytu
Muharwala, c'est lui qui vient vers moi en marchant, moi vient vers lui en galopant. Ça, c'est ce qui Rasoul Sassam India, nous qui a l'India, le hadith à l'India, fastahdouni, deman magidans, ahdikum magidzut. C'est-à-dire, peine aucune place dans le Coran et dans le Sunnah qui dit nous qui a une divine période de guidance, c'est moi Allah pandonni. Allah, parce qu'il n'a pas envie de ni. Là, ma'adallah. Par contre, un djimoun peut faire semblant libéraux de guidance. Allah trouvé, il peut faire semblant. Allah trouvé, il y a une doutance. Allah trouvé, il y a un mousrif, il peut exagérer de transgresser. Mais Allah, Allah égale. Allah pas égale un djimoun qui libéraux de guidance. Au contraire, Allah guide un djimoun qui libéraux de guidance vers la guidance. Ça, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Par contre, Allah il augmente la guidance un djimoun tant qu'il rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il fait bon action, Allah. Et ça a fait qui Allah, dans la deuxième ayat qui vient après, Allah dit كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. Inch'Allah, la semaine prochaine, là, nous vous explique ça à bout là. Qui s'en a sur l'équipe qui Allah scellé. Allah pas pour le sceller un djimoun musulman, un pauvre diable, même un non-musulman. Allah scelle sur l'équipe qui fait pour sceller sur l'équipe. Allah pas pour sceller sur l'équipe. Allah scelle une qualité djimoun qui Allah scelle sur l'équipe. Nous vous trouvons, Inch'Allah, comment Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers son serviteur. Non! Allah est pardonneur, Allah est raham, mais quand c'est évident, elle est transgressé, et il n'a pas voulu repentir, à ce moment Allah subhanahu wa ta'ala, quand il trouve celui qui est indévié, ça vous explique ce qui s'est passé, dans surah Saf, dans surah 61, « Falamma zaghou, azar Allahu kulubahum » Quand on a indévié, Allah est indévié, quand on a dit qu'on est indévié, mais Allah subhanahu wa ta'ala, « Hacha lillah » qui zami Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle zami un djimoun période de guidance et Allah pour égale parce qu'Allah dit les guides c'est lui qui lui voulait les guides c'est lui qui lui parle les égards c'est lui qui lui voulait ça crée Allah c'est pas ça qui peut dire en arabe quand on prend tout dans le Coran Allah guide c'est lui qui période de guidance et il y a la capacité guide c'est lui qui peut pas période de guidance aussi hein un djimoun parle de guidance moi parle de guidance moi Allah guide capable oui Allah capable. C'est ma zami Allah subhanahu wa ta'ala enjimoun. Enjimoun période de guidance, Allah donne légalement sa zami. Parce que sa phrase là, la yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala, n'est pas approprié pour nous dire ça Allah subhanahu wa ta'ala et pina ça dans le Coran et dans le Sunna. Clair ça? Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa bariklana fi ma atayt. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-samiu al-alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أحييته منا فأحيى للإسلام ومن توفيته منا فتوفاه للإيمان اللهم أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأمتنا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم وادخلنا الجنة الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته